Je suis Stéphane Solbach, je suis responsable de la communication, du commerce et du marketing du petit véhicule Zest au sein de la société Acrea, constructeur du véhicule Zest. Les clients sont de deux ou trois ordres à peu près. Les premiers sont des particuliers qui possèdent déjà un véhicule, déjà voire même plusieurs véhicules, qui ont une utilisation totalement orientée sur le loisir, le plein air. Aussi des professionnels de la location. Très attachés en fait à ce que leurs clients soient aussi en vacances dans le véhicule avec lequel ils se promènent. Comme nous avons commencé nos ventes cet hiver, eh bien, tout logiquement nos clients se sont retrouvés dans des régions où le climat reste tempéré. Donc nos premières ventes se sont trouvées. Nos premières ventes ont été aux Caraïbes, ainsi qu'en Italie, en Espagne, parce que c'est là qu'effectivement le climat est plus accessible. On a bien sûr maintenant des ventes en France. Acrea effectivement est en train de constituer son réseau de distribution, donc on est ouvert complètement à toutes sortes de propositions pour étendre et pour densifier notre réseau de vente. Actuellement, on a une douzaine de points de vente en France, répartis de manière assez uniforme sur tout le pays. Zest est commercialisé à partir de 10 500 euros jusqu'à à peu près 13 500 euros, suivant les accessoires que l'on y ajoute. On a toute une gamme de personnalisation pour aller entre ces deux extrémités. La gamme d'accessoires est assez étendue, depuis un simple tapis de sol jusqu'à un pare-brise complet avec un toit, en passant par des jantes aluminium, en passant par une boîte à gants, en passant par des enjoliveurs latéraux, toutes sortes de choses pour personnaliser un petit peu, adapter son véhicule. Je pense que la première réaction qu'ont les gens quand ils voient le véhicule, c'est que le Zest est un véhicule souriant. C'est une voiture qui est attrayante, qui exprime vraiment de la sympathie et de la modestie en même temps, de la simplicité. Et donc, à chaque fois qu'on se déplace, et même nos clients nous ont parfois appelé pour nous raconter ce genre de choses aussi, ce genre de vraiment vécu, c'est que bah, on vous dit bonjour dans la rue, on vous sourit, on vous pose des questions. On a même des clients qui nous ont demandé d'avoir de la documentation de la voiture dans leur vide-poche. Pour pouvoir en donner, on se fait photographier en pleine rue. Enfin, il y a un côté très, très, je dirais, communicant. La voiture est communicante et souriante, attachante. Alors actuellement, nous travaillons sur un gros sujet qui est le pare-brise avec une capote. Donc, c'est une structure complète qui intègre un pare-brise avec un réseau chauffant, son lave-glace, son essuie-glace, et une capote qui sera au-dessus, que l'on pourra rouler un peu comme on roulait les capotes sur les deux chevaux, par exemple. Qui permettra donc de se protéger du soleil, de la pluie, de rester en même temps complètement ouvert si on a envie. Donc ça, c'est un gros sujet qui est en préparation avec certaines difficultés parce que c'est quand même quelque chose qui est très très important comme option et qui est assez demandé aussi. Malgré le côté plein air qu'on a voulu promouvoir, il y a des gens, et ça peut se comprendre, qui demandent à avoir une petite protection aux intempéries. On a aussi donc une version conduite à droite parce que le marché anglais a un très très fort potentiel. Je dirais les gens de ce pays, entre guillemets, sont toujours attentifs et à la recherche de produits un petit peu particuliers pour rouler, pour se démarquer. Et puis il y a une culture du véhicule ouvert, du véhicule cabriolet, qui est très très forte. Donc on a une voiture qui est à disposition, qui existe maintenant. Notre gamme comprend la conduite à droite et on a un importateur maintenant en Angleterre. Si vous voulez nous acheter une auto, en fait, ça dépend un petit peu de votre emplacement, de là où vous êtes et de là où vous voulez utiliser le véhicule. Je dirais que dans un premier temps, si nous avons un distributeur qui est à proximité de chez vous, on vous envoie tout directement, bien sûr, chez ce distributeur. Sinon, vous avez possibilité d'acheter le véhicule à l'usine. Et en dernier recours, on a aussi possibilité, nous, de vous livrer à l'endroit où vous êtes, dans toute la France.